Nous sommes aujourd'hui le 9 août, c'est l'anniversaire du bombardement sur Nagasaki, il y a 71 ans, et nous sommes réunis pour commémorer ce dramatique événement. Une bombe nucléaire a explosé sur Nagasaki et a tué 80 000 personnes. Nous nous souvenons de ces victimes. Nous nous souvenons des victimes d'Hiroshima, des victimes des 2000 essais nucléaires qui ont suivi pour mettre au point les armes sophistiquées actuellement qui peuvent déclencher l'apocalypse. Nous avons eu la joie d'accueillir une artiste japonaise célèbre internationalement, Yukari, qui nous a fait des chansons japonaises. Et nous avons après, à la fin de la cérémonie, arraché les drapeaux des pays nucléaires. Nous avons signifié que les peuples se levaient pour éliminer les armes nucléaires et les ont données aux jeûneurs qui étaient déguisés avec des chasubles noires et des masques blancs pour montrer le drame de Nagasaki. Je suis contre le nucléaire militaire. L'année prochaine, nous serons à nouveau Place de la République, à nouveau pour célébrer les événements de Nagasaki et d'Hiroshima. Et nous vous invitons à venir, à prendre contact avec nous pour que ces événements-là ne soient pas oubliés, ni les victimes, et que nous puissions demander de façon forte l'abolition des armes nucléaires.